En fait, genre là, je vais chez ma tante parce que demain, du coup, c'est le jour du concert. On va voir Lil Nas X. C'est très serré parce que jusque mercredi, je vais être en stress total parce que mercredi, j'ai un rendez-vous très important pour mon stage. Bah, en fait, c'est un peu la course contre la montre tout le temps et j'ai dû organiser mes journées au millimètre près dans mon agenda pour être sûre de rien oublier et pas zapper des trucs. Ce vlog est en featuring avec Lil Nas X. Welcome to Montero. I called it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't be innocent. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like... Ouais, on se retrouve pour un nouveau vlog avec un invité très spécial. On est venu manger des sushis pour se suspenter avant d'aller au concert. Par contre, on se fait plaisir. On va essayer de se retrouver dans les micros. Bah, laissez-moi prendre de l'eau. On est arrivé, là on se dirige vers le palais du. J'ai trop hâte. Tu sais que j'ai rêvé qu'on venait et qu'on se trompait de jour. Avec ton plus égal. On est enfin rentré. On est au moins en train de snack. Et toi, on aurait pu manger clairement ici, mais. Ouais, j'avoue que j'ai pu. Là, il n'y a personne encore dans la salle. Bonjour. Merci. Je vais acheter un t-shirt. Toujours les tailles énormes. Thank you. On prend plus la caméra parce que je ne sais jamais. On avance vers là. Mais arrête de vouloir tout le temps être devant la caméra, t'es tout le temps déjà. Ben non, je filme chacun son tour. Filme bien si tu filmes. Je filme ma gueule, y a rien à fumer. Mais si tu filmes bien, c'est moche là. La beauté des nouvelles. Bref. Elles sont trop belles. On a notre petit chapeau. Tears running dry, shattered inside, but I still got a smile as I'm sinking. Avant de commencer le concert, je vous propose de revenir un peu sur la carrière de Nas. Vous le connaissez probablement de ça. Ou encore de ça. Et peut-être même de ça. Lil Nas X, aka Montero. D'ailleurs, son nom vient d'une voiture que sa mère voulait, une Mitsubishi Montero. Il est né en Géorgie et a 23 piges. Ça me choque. Il s'est donc fait connaître avec Old Town Road en 2019, alors qu'il était âgé de 21 ans. Toujours aussi choqué. Il a déjà gagné plusieurs prix, dont ce fameux Grammy tant rêvé de tout musicien. En vrai, on peut le dire. Il est venu, il a tout niqué. Et j'ai tellement hâte de voir la suite de sa carrière, parce que vous allez voir, son concert c'était visuellement incroyable. Genre, c'est vraiment une bête de scène. Bon allez, j'arrête de parler. Thank you.
Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, and she wanted them to see me. I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive. You lied, just say to me. Préféré maintenant. Évidemment. Il y a une invasion de zombies. Par contre, ce que je trouve cool, c'est qu'on a eu un petit livre. Il y avait la tracklist à l'intérieur et attendez. Incroyable. Je ne l'ai pas encore regardé moi parce que je voulais rien me spoiler. On se dirige vers l'Athénium qui est là. Parce que je ne l'ai jamais vu de près. Voilà, je suis une Belge, très mauvaise Belge, mais aujourd'hui je deviens une meilleure Belge. Le gentil jeune homme qui m'a redonné un deuxième Linastrix parce que j'ai fait tomber dans l'eau. Ouais, et apparemment il l'a fait. Il l'a fait deux fois. Ouais. Il m'a dit tiens, je l'ai deux fois, il a un peu plié, il a été derrière mes fesses et tout. Lâchez là, vous inquiétez pas, mais. Il est trop gentil, il est adorable. Mais les gens dans les concerts, hein. C'est toujours les meilleurs. Je suis amoureuse de mon t-shirt, ça c'est ma tenue que je vais mettre vendredi je crois. Ça m'avait manqué les concerts. Faut qu'on traverse. Quand ? Dès qu'on peut. Il n'y a jamais de passage piéton. C'est ça que je suis en train de me dire. On traverse comme les gens au pire. Bruxelles, rajoutez des passages piétons, merci. Rajoutez des passages piétons près de l'Atomium. Du Valais 12. Ouais parce que... L'Atomium, ça n'a pas de sens de le mettre là. Vous voulez qu'on meure ? Par contre, il y a une meuf qui a vomi. Même pas si elle a vomi, ça sentait pas le vomi. Je sais pas, au moment donné, j'ai quand même senti une petite odeur. Ouais. Vu les morceaux qu'il y avait. Ce que je ne comprends pas, c'est que. On est d'accord que quand quelqu'un vomit, tu l'entends comme. Ouais, mais là, je pense qu'il y avait la musique et tout. Non, c'était avant. Juste avant. Ça restera à concert. Mais du coup, c'est si beau. On va passer sur un moment chill du vlog. Allez. On va le faire. You need an instant ease from your life where you got plenty of every hurt and heartbreak. You just take it all to the face. J'espère que le vlog vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé venir à ce concert avec moi et que vous avez apprécié Lil Nas X. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour les Vlogmas, donc le 2 décembre. J'ai trop hâte, je stresse mais j'ai trop hâte, donc j'espère que vous serez quelques-uns à regarder mes Vlogmas. En attendant, je vous dis au 2 décembre et bisous. Looking high.